l'humanisme et la biologie matérialiste. Alors, je dois dire que ce titre, quand il m'a été proposé, m'a plongé dans une grande perplexité. En effet, comment peut-on parler de biologie matérialiste ? Si vous prenez le dictionnaire grec, vous constatez que bios et psyché sont quasiment des synonymes. Bios, c'est la vie, qui est commune aux hommes et aux animaux. Et psyché, c'est le souffle de vie, c'est l'âme. Vous savez que quand on envoie un SOS, SOS, ça veut dire qu'il y a le signal de détresse vitale. Mais ça veut dire save ourselves. Donc, si vous voulez, la lutte pour la vie dans Xénophon, c'est péripsychès. Donc, l'idée qu'il y ait une vie qui soit détachée de l'âme est quelque chose, a priori, très étonnant et tout à fait en dehors de la civilisation occidentale telle qu'elle s'est produite, c'est-à-dire avec l'héritage de l'Antiquité gréco-romaine et les apports du christianisme. Autrement dit, parler de biologie matérialiste prouve à quel point nous sommes intellectuellement sortis des fondamentaux de la pensée occidentale. Alors, j'aurai cinq parties. On se posera la question de ce qu'est la vie. Je verrai les prodromes d'une biologie matérialiste au XVIIIe siècle. Puis nous verrons le triomphe finalement de cette biologie, en particulier avec Darwin et l'apparition de l'arrivée conceptuelle de l'eugénisme. Nous verrons l'eugénisme comme matérialisme scientifique et vertueux, il y a toujours ces deux dimensions, donc faire l'élevage des hommes, mais pour le bien de l'humanité. Puisque l'homme étant un animal, évidemment, on peut chercher à en faire l'élevage, comme on fait l'élevage des chiens, des chevaux, etc. Et nous verrons qu'en dernière partie, mais une fois, ça ne sera qu'un survol, mais comment la biologie actuelle, justement, réfute les fondements conceptuels de l'eugénisme. Ce qui est un point, évidemment, majeur pour nous tous ici. Alors, qu'est-ce que la vie ? Bon, la vie se différencie de l'inerte. Donc, l'inerte, en grec, c'est akinetos ou argos, c'est-à-dire ce qui ne bouge pas ou ce qui n'a pas d'énergie. Et par opposition à l'inerte, le vivant est ce qui se meut de lui-même. Donc ça, c'est un vita est motus sui, ça c'est une constante de la pensée occidentale, et ça a été repris par la philosophie scolastique, bien entendu. Et donc, on a donc ce qui se meut de soi-même et ce qui est mu par l'extérieur. Alors, la matière, dans tout cela, la matière, au départ, n'avait jamais été conçue comme une substance autonome. La matière, vous savez, dans la philosophie dite idéomorphiste, c'est la matière est toujours associée à une forme, et les corps sont évidemment des ensembles dans lesquels il y a matière et forme. Et on emploie le mot, alors le mot corporel, le mot corps, c'est très employé. Et vous remarquez qu'aujourd'hui, en réalité, on emploie le mot matière isolé. Donc le mot, et ça, c'est très. Vous avez même dans la théologie catholique, vous avez une définition de la création qui est commune entre le Concile de Latran IV, 1225, et le Concile Vatican I, 1870. Donc ça fait quand même un certain intervalle de temps. Eh bien, la définition de la création donnée par ces deux conciles est mot à mot la même, sauf un mot. Corporalem de Latran IV a été remplacé par matérialem. Donc ça nous manifeste bien à quel point le mot matière a fini par avoir une autonomie particulière. Et donc la matière qui était reliée à une forme devient, alors ça c'est avec le mécanisme, c'est l'héritage cartésien, le XVIIe siècle, etc. Donc la matière devient une sorte d'entité indépendante qui peut exister par elle-même.
Alors, le... Et ce mécanisme va envahir, nous le verrons, un petit peu la, ben le, justement le champ en particulier de la biologie. L'homme, l'homme devient une machine. Alors, un paradoxe, c'est que le, vous avez quand même la biochimie. Quand on dit, alors, Marcelin Berthelot, qui était, je dirais, secrétaire de l'Académie des sciences pendant un très très grand nombre d'années, qui est un des fondateurs majeurs de la biochimie. Donc la biochimie est une science qui, par elle-même, dès l'énoncé, manifeste qu'il y a une différence de nature entre les corps inertes, pour lesquels on a la chimie, et les corps vivants, pour lesquels il faut inventer une biochimie. Donc, Marcelin Berthelot était au premier rang des gens capables de constater, justement, que le vivant et l'inerte sont radicalement différents. Et pourtant, Marcelin Berthelot est un naturaliste, un anticlérical, un très grand ami de Renan, qui, évidemment, sera aussi un évolutionniste. Donc, si vous voulez, le, ça nous permet de comprendre ce paradoxe que je signalais, c'est qu'on parle de biologie matérialiste qui est presque une absurdité dans les mots, mais ça se comprend. Parce que ça n'est pas que la biologie puisse être matérialiste, c'est parce qu'il y a des matérialistes qui peuvent être biologistes. Et donc la biologie matérialiste, ça n'est pas la biologie par elle-même, la connaissance des corps vivants qui soient matérialistes, hein, nous verrons que c'est impossible, mais c'est parce qu'il y a des hommes qui sont des biologistes, qui peuvent être de très bons biologistes, et qui sont matérialistes, mais pour de tout autre raison que les connaissances qu'ils ont par eux-mêmes. Alors, les prodromes d'une biologie matérialiste. Je vais commencer par un médecin qui s'appelle Lametti, qui a justement produit un livre qui s'appelle L'homme-machine. Et le, alors, Lametti était un élève de Boerhaave qui, justement, a fondé, lui, son école de médecine sur la prépondérance de la mécanique et de la chimie. Donc là, on a le mécanisme issu de Descartes, c'est le traité de l'homme de Descartes, on voit des... Enfin, je veux dire, c'est du réductionnisme mécanique de l'homme. Et donc, tout naturellement, on arrive à cette idée d'homme-machine. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette approche? On pourrait dire qu'il y a l'idée que l'on va du simple au complexe. Mais ça, donc c'est la méthode cartésienne, hein, passer du simple au complexe. Donc l'homme est à l'aise dans le simple, et puis petit à petit, il progresse et il peut aller vers le complexe. Alors, j'attire tout de suite votre attention, c'est que ça présuppose que le simple existe. Et le deuxième trait de cette approche importante, c'est la proximité de l'homme et de l'animal. Et là, évidemment, ça a été dit déjà ce matin, on va le voir plus en détail. Mais donc, l'idée que l'on puisse considérer l'homme comme un animal est aussi l'idée que l'on puisse considérer l'animal comme un homme. Et vous avez aujourd'hui un courant qui s'appelle l'antispécisme, qui justement a pour base de considérer l'animal comme un homme. Alors, juste une citation de Lametti, parce qu'elle est intéressante. Alors, je n'ose décider. Alors, il s'agit de l'éducation des singes. Parce qu'il faut, pourquoi ne pourrait-il pas, à force de soins, être capable de parler? Je n'ose décider si les organes de la parole du singe ne peuvent, quoi qu'on fasse, rien articuler. Et cette impossibilité absolue me surprendrait à cause de la grande analogie du singe et de l'homme, et qu'il n'est point d'animal connu jusqu'à présent dont le dedans et le dehors lui ressemblent d'une manière si frappante. Donc, si vous voulez, la proximité anatomique du singe et de l'homme, elle est connue depuis toujours. Je veux dire, ça n'a jamais surpris personne. Mais l'élément nouveau ici, c'est que on fait de cette proximité fait disparaître la barrière. Donc on passe à
d'un univers dans lequel il y a des créatures distinctes, et donc d'un univers harmonieux, puisque l'harmonie présuppose des notes distinctes. Donc la nature telle qu'elle était conçue jusqu'à présent était une nature harmonieuse avec des éléments définis. Et on passe maintenant à une sorte de continuum. Alors on va retrouver cette idée. Et puis un autre élément important, alors qui est surtout visible chez Condillac avec le sensualisme, hein. Donc là c'est la maîtrise, c'est 1751, Condillac 1755, donc c'est vraiment le milieu du XVIIIe siècle. Alors Condillac remarque la chose suivante, il y a trois sentiments sur les bêtes. On croit communément qu'elles sentent et qu'elles pensent, les scolastiques prétendent qu'elles sentent et ne pensent pas, et les cartésiens les prennent pour des automates insensibles. On dirait que M. de Buffon, considérant qu'il ne pourrait se déclarer pour l'une de ses opinions sans choquer ceux qui défendent les autres, a imaginé de prendre un peu de chacune, de dire avec tout le monde que les bêtes sentent, avec les scolastiques qu'elles ne pensent pas, et avec les cartésiens que leurs actions s'opèrent par des lois purement mécaniques. Et la solution Condillac, c'était que les bêtes sentent, donc elles pensent. Ce qui revient à dire, de toute façon, que la pensée est le résultat de l'agitation des molécules cérébrales. Enfin, donc on est dans effectivement une biologie mécaniste, en ce sens que le rôle majeur de l'âme dans l'animation du corps est mis de côté. Alors, pour ces prodromes de la biologie matérialiste, il faut ajouter deux ingrédients qui sont importants, qui caractérisent le XVIIIe siècle. Le premier, c'est le mythe du progrès, l'idée de progrès. Ça, c'est absolument fondamental. Et c'est fondamental, évidemment, dans le cadre du thème de cette journée. Et puis, un deuxième élément très important, c'est la divinisation de la nature. C'est-à-dire que jusqu'alors, la nature, c'était la collection des êtres vivants. Donc il y avait les cabinets de sciences naturelles, les gens qui étudiaient les animaux, les plantes, etc., s'appelaient des naturalistes. Donc on a une nature collection d'êtres. Et brusquement ou progressivement, mais la nature devient un sujet agissant. Et ça, on va le voir chez Lamarck, qui est l'homme qui fait la transition entre les deux siècles. Alors, le mythe du progrès, on va passer rapidement, mais c'est l'idée qu'il n'a été... Alors c'est Condorcet qui est le grand champ du progrès, donc c'est plutôt la fin du XVIIIe siècle. Il n'a été marqué aucun terme au perfectionnement des facultés humaines. La perfectibilité de l'homme est réellement indéfinie. Et les progrès de cette perfectibilité, désormais indépendants de toute puissance qui voudrait les arrêter, n'ont d'autre terme que la durée du globe où la nature nous a jetés. Vous voyez, cette nature qui nous jette sur le globe. Sans doute, ces progrès pourront suivre une marche plus ou moins rapide, mais jamais elle ne sera rétrograde, du moins tant que la Terre occupera la même place dans le système de l'univers. Donc, vous voyez, c'est ce progrès mécanique, ce progrès. Le temps est une cause de progrès. Le temps devient une cause. Le simple temps qui passe est une cause. Bon, ce qui est évidemment une idée absurde. Mais cette idée a été une idée motrice pour pratiquement deux siècles. Alors, dans le perfectionnement, alors il y a le problème du perfectionnement des animaux qui était bien connu, hein, puisqu'il y a des races spécialisées pour développer certaines aptitudes. Alors, Condorcet se demande si, justement, le perfectionnement de l'homme ne peut pas suivre le même chemin que le perfectionnement des animaux. Et il dit, justement, que l'observation des diverses races d'animaux domestiques doit nous porter à croire que les facultés physiques, nos facultés physiques, pourront se développer. Maintenant, Lamarck... Là, je vais juste vous citer le discours d'ouverture de Lamarck. Alors, Lamarck a ouvert la chaire, une chaire qui lui était propre au Muséum de sciences naturelles,
Donc l'an 8, c'est 810, et il écrit « Il paraît, comme je l'ai déjà dit, que du temps et des circonstances favorables sont les deux principaux moyens que la nature emploie pour donner l'existence à toutes ses productions. » Vous voyez, la nature, elle est production. Les êtres vivants sont les productions de la nature. Et comment fait-elle pour les produire? Eh bien, elle a du temps et des circonstances favorables. Avec ça, évidemment, tout est possible. Tout est possible. Ça, c'est extrêmement important. Nous verrons qu'après que les pas tout le courant darwinien, si vous voulez, repose sur cette idée que tout est possible. Donc c'est une idée qui contredit l'essence de la connaissance scientifique. La connaissance scientifique consiste à constater que tout n'est pas possible. Et l'idéologie évolutionniste qui a débouché sur l'eugénisme, elle est au contraire fondée sur le présupposé que tout est possible. Alors, et tout est possible, puisque nous dit Lamarck, on sait que le temps part de la nature, n'a point de limite pour elle, donc nous vivons dans un temps long, des durées indéfinies, des aires géologiques, etc. Donc on sait que le temps n'a pas de limite pour elle, et qu'en conséquence, elle l'a toujours à sa disposition. Quant aux circonstances dont elle a eu besoin, et dont elle se sert encore chaque jour pour varier ses productions, bon, c'est le transformisme, la nature varie ses productions, le cou des girafes s'allonge parce qu'elles cherchent à brouter les feuilles d'arbres de plus en plus haut. Et quant aux circonstances, on peut dire qu'elles sont en quelque sorte inépuisables. Donc on a la nature, qui est une espèce de démiurge, qui devient l'auteur des êtres vivants, donc qui sont ses productions. Et en fait, que s'est-il passé? Eh bien, tout simplement, on a projeté sur la nature les attributs du Créateur. Donc on a une divinisation de la nature. Et la nature devient un sujet agissant. Un sujet. Et ça, c'est une... On n'en est pas encore sorti. Ça fonctionne encore aujourd'hui. Mais c'est vraiment à la charnière donc des deux siècles que ça s'est lancé. Alors, il faut quand même reconnaître que Lamarck restait finaliste. Donc l'idée d'une finalité inscrite dans les êtres vivants, elle était... Il était encore admise par lui, mais malgré tout, son transformisme, parce qu'on ne parlait pas d'évolutionnisme à l'époque, mais le transformisme, c'est le passage d'une forme à une autre, eh bien, c'est déjà un refus de la création biblique, hein, un refus de l'idée, d'une part, d'une perfection in principio, et puis, donc, on a. D'une certaine façon, c'est un triomphe du matérialisme en biologie, puisque on a maintenant un moyen intellectuel d'écarter la finalité, et ce moyen, c'est Darwin qui va l'apporter. Donc, Lamarck, d'une certaine façon, restait dans la ligne de Voltaire. Vous savez, Voltaire disait, très bonne formule, dans tous les systèmes qui admettent un dieu, on a des difficultés à surmonter. Dans tous les autres systèmes, on a des absurdités à dévorer. Et c'est pourquoi Voltaire était déiste. Parce que, justement, comme disait Gilson, c'est l'athéisme qui est difficile. C'est l'athéisme qui est difficile, parce que comment peut-on, un athée peut-il expliquer qu'il existe des êtres, qu'il y a des lois dans la nature, etc. C'est très difficile. Donc nous arrivons... troisième partie, au triomphe apparent de la biologie matérialiste, ce qui va permettre l'arrivée conceptuelle de l'eugénisme. Et je vais laisser la parole à Dawkins. Alors Dawkins, c'est un professeur de zoologie d'Oxford, qui est assez connu. Bon, plusieurs livres de lui ont été traduits en français. Alors c'est un évolutionniste et athée militant, eugéniste déclaré, dans son livre « L'horloger aveugle », donc « L'horloger aveugle », c'est justement le titre, montre bien cette idée d'absence de finalité, et que la nature qui fait fonctionner l'horloge ne sait pas ce qu'elle fait. Ça va être une caractéristique, si vous voulez, de l'évolutionnisme darwinien, c'est-à-dire même pour ceux qui imaginent que Dieu est derrière, Dieu ne sait pas où ça va conduire. Comme c'est
une évolution au hasard, parce que personne, Dieu ne peut pas savoir ce que la sélection naturelle va choisir. Donc il y a un paradoxe très, très amusant, dont malheureusement beaucoup d'évolutionnistes ou théistes n'ont pas conscience. Donc Dawkins nous dit, alors Dawkins, professeur de zoologie Oxford, de 1970 à 2008, et encore de 1996 à 2008, on avait créé pour lui une chaire à Oxford. Donc c'est comme disait, je ne sais plus, ce matin, un des orateurs, il faut considérer, il y a ce qui est dit, mais il y a le point d'où cette voix a été portée. Et là, donc Dawkins, c'est un orateur important. Et il dit, Darwin a produit la justification intellectuelle qu'attendaient les athées. C'est-à-dire que jusqu'à Darwin, c'est, comme dit Gilson, l'athéisme difficile. Depuis Darwin, eh bien, l'athéisme a trouvé sa justification intellectuelle. Ça ne veut pas dire que l'athéisme est vrai, mais il a maintenant un discours dans lequel il peut se justifier, s'attribuer une cohérence qui n'était pas le cas avant. Alors, bon, sur Darwin, je pense que le point le plus important des thèses darwiniennes, qui est rarement mis en avant d'ailleurs, c'est que pour Darwin, les espèces n'existent pas. Alors ça, c'est un point absolument fondamental, parce que en fait, Darwin est un nominaliste, c'est-à-dire pour lui, seuls les individus existent. Et les espèces, ce sont des noms que nous projetons. Donc, on voit un chat ou un chien qui traverse la rue, et c'est nous qui disons que c'est un chien ou un chat. En réalité, c'est un individu en transit entre une forme ancestrale inconnue et une forme future indéterminée. Mais il n'y a pas d'espèce. Les espèces n'ont pas les substances. Et ça, c'est évidemment, c'est fondamental, puisque c'est ce qui permet d'imaginer cette espèce d'évolution graduelle dont Darwin se fera le chantre. Mais surtout, c'est absolument opposé à toute la science naturaliste de l'époque. Donc Darwin, qui est un très grand personnage, enterré à Westminster, en fait, avait conscience du fait que les biologistes, ceux qui connaissaient le sujet, seraient extrêmement réticents par rapport à ces idées. Alors, comment faire pour promouvoir des idées scientifiques au nom de la science, quand les scientifiques ne sont pas d'accord? Eh bien, Darwin écrit à Azagray, alors si vous voulez, son livre sur l'origine des espèces, c'est 1859, donc l'année suivante, il écrit à un biologiste américain qui était de ses amis, il est très important que mes idées soient lues par des hommes intelligents, accoutumés aux arguments scientifiques, tout en n'étant pas naturalistes. Cela peut paraître absurde, mais je m'imagine que de pareils hommes entraîneront après eux les naturalistes qui s'entêtent à croire qu'une espèce est une entité. Autrement dit, les naturalistes qui ont passé des années à apprendre par cœur la liste et les caractéristiques des espèces animales et végétales. Bon, la taxonomie est une science très passionnante, mais quand même un peu rébarbative au premier abord. Et évidemment, Darwin vient expliquer à tous ces gens qui ont suivi des années pour acquérir le savoir de naturaliste qu'au fond, l'objet de leur savoir n'a pas de substance. Mais évidemment, le grand public, lui, qui ignore complètement cette problématique, va être enchanté par les idées de Darwin, pour d'autres raisons, bien sûr. Mais ça, c'est un point important, parce que ça nous fait pressentir que ce transformisme darwinien va à l'échec. Parce que dès le départ, si vous voulez, il s'est opposé aux connaissances empiriques de l'époque, et évidemment, alors ça c'est un présupposé commun dans la science occidentale, mais il y a l'idée qu'il y a une objectivité de la science, c'est-à-dire qu'il y a une réalité en dehors de nos esprits. Donc le fait que Darwin ait imaginé que les espèces n'existaient pas,
évidemment, ne prouvait pas que les espèces n'existaient pas. Alors, il y a deux points importants à retenir de Darwin, parce que c'est la clé à la fois de son succès, et c'est ce qui a été transmis, ce qui fait partie de ses acquis. Il y a l'idée de l'élimination des moins aptes. Alors, ça c'est intéressant parce que, si vous voulez, le livre de Darwin s'appelle « De l'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie ». Donc, on parle de la survie du plus apte. Seulement, en réalité, comment l'espèce pourrait-elle évoluer si le plus apte survit sans que le moins apte ne disparaisse ? Si vous voulez, statistiquement, on aurait une espèce d'élargissement du spectre de l'espèce, mais pour qu'il y ait évolution au sens darwinien, il faut qu'il y ait élimination des moins aptes. Et souvent, on ne fait pas attention. Sous l'influence du titre, on pense à la survie du plus apte, et à ce moment-là, beaucoup de gens se sentent plus aptes et sont tout à fait contents d'entendre dire que la situation acquise dont ils profitent est tout à fait le résultat des lois de la nature. Donc ça explique le sujet du darwinisme, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais on ne voit pas que, du point de vue de la pensée de Darwin, la réalité de cette survie des plus aptes, c'est l'élimination des moins aptes. Parce que c'est ça qui, en pratique, va faire que l'espèce se déplace. Il l'énonce dès le 1859. Alors il dit la chose suivante: chaque forme nouvelle tend à prendre la place de la forme primitive moins perfectionnée ou d'autres formes moins favorisées avec lesquelles elle entre en concurrence et elle finit par les exterminer. Alors ce que je veux dire, c'est que la sélection naturelle dans la nature ne se... C'est pas du tout ce qui... Enfin, c'est-à-dire, ce que nous dit Darwin aujourd'hui n'est pas du tout ce qui se passe. C'est qu'à l'intérieur de la lutte pour la vie, c'est entre les espèces. Mais à l'intérieur des espèces, il y a des combats. Mais c'est des combats pour les territoires ou des combats pour les femelles. Et ça n'est pas du tout des combats éliminatoires. Donc, en réalité, cette lutte éliminatoire pour la vie dont parle Darwin n'existe pas dans la nature. Ça, c'est pas... Ça n'ôte rien à tous les mérites de naturaliste de Darwin. Hein, mais il faut bien comprendre que la pensée darwinienne est fausse de A à Z. Ça, c'est quand même important. Mais ça n'empêche pas son succès, d'ailleurs. Ça l'explique même peut-être. Alors, ainsi, l'extinction et la sélection naturelle vont constamment de concert. L'extinction et la sélection naturelle. Pendant le cours de ces modifications, chaque espèce a dû s'adapter aux conditions d'existence de la région qu'elle habite, a dû supplanter et exterminer la forme parente originelle, ainsi que toutes les variétés qui ont formé les transitions entre son état actuel et ses différents états antérieurs. Donc ça, c'est extrêmement important chez Darwin, cette idée d'extermination, d'élimination du moins apte. Alors, en pratique, ça veut dire que l'homme a dû éliminer le singe. Et alors, un des paradoxes aussi, c'est dans l'ascendance de l'homme, alors on y a fait une allusion ce matin, mais je lis quand même ce passage, parce que c'est intéressant, il dit « Chez les sauvages, ceux qui sont physiquement et mentalement faibles sont vite éliminés, et ceux qui survivent montrent en général une santé vigoureuse. En revanche, nous, hommes civilisés, nous faisons notre mieux pour entraver le processus d'élimination. Nous construisons des asiles pour les fous, les mutuelles et les malades, nous faisons des lois pour les pauvres, et notre personnel de santé exerce ses meilleurs talents pour sauver la vie de tous jusqu'au dernier moment. Ainsi, les membres affaiblis des sociétés civilisées se reproduisent. Aucun de ceux qui se sont intéressés à la sélection des animaux domestiques ne peut nier que c'est le plus grand dommage fait à la race humaine.
Il est frappant de voir avec quelle rapidité la négligence chez l'éleveur ou des soins mal dirigés amènent la dégénérescence d'une race domestique. Mais hormis le cas de l'homme lui-même, on ne trouvera aucun éleveur si ignorant qu'il laisserait se reproduire ses plus mauvais animaux. Donc ça, c'est 1871, c'est le deuxième livre, si on veut, de Darwin, dans lequel il est un petit peu plus à l'aise pour exposer ses idées. Alors, à propos de Darwin, il faut quand même savoir que, contrairement à ce qu'on dit assez souvent, où il était, on le présente comme un agnostique, c'est Thomas Huxley qui a inventé cette expression, l'agnosticisme, justement, pour essayer de... d'amanouer le public vis-à-vis de Darwin. Darwin venait très peu à Londres, c'est Huxley qui faisait sa propagande, si vous voulez, sa diffusion. Mais en réalité, Darwin était matérialiste. Et ça, on ne le sait que depuis très peu de temps. C'est Gould, d'ailleurs, qui a publié les carnets intimes de Darwin, qui n'avaient pas été publiés. Alors, je vous donne deux extraits du carnet M. Donc, ça a été publié en 1979. Donc, si vous voulez, bien après toute l'extension de Darwinisme. Pour éviter de dire jusqu'à quel point je crois au matérialisme. Donc, Darwin était matérialiste. Pour éviter de dire jusqu'à quel point je crois au matérialisme. Il l'était tellement qu'il ne pouvait pas le dire. Je dois me contenter de dire que les émotions, les instincts, les degrés de talent qui sont héréditaires le sont parce que le cerveau de l'enfant ressemble à celui des parents. Donc, c'est matérialiste, puisque ça veut dire que c'est une cause mécanique héréditaire, si on veut, qui explique le cerveau. Mais en même temps, c'est acceptable. Et une autre phrase, Platon dit dans le Phédon que les idées imaginaires viennent de la préexistence de l'âme. De la préexistence de l'âme. Qu'elles ne sont pas tirées de l'expérience. Lire singe pour préexistence. Autrement dit, l'homme descend du singe. Et donc, Platon nous dit évidemment que nous avons des idées qui nous viennent toutes faites dans l'esprit, mais c'est parce qu'elles viennent dans notre âme. Évidemment, elles ne sont pas sorties de notre connaissance empirique. Eh bien, pour lire singe pour préexistence, c'est-à-dire ces idées en tête viennent de tout l'historique de notre lignée ancestrale qui part du singe. Donc, ces formules permettent de répondre à ceux qui nieraient, qui objecteraient au titre de cette journée, et cette conférence, en disant mais Darwin n'était pas matérialiste. Il est évident que dans l'Angleterre victorienne de l'époque, on ne pouvait pas être matérialiste. Nous sommes dans une société extrêmement hiérarchisée où le chef de l'État est aussi le chef de l'Église. Darwin, évidemment, tenait compte de ce contexte. Alors, donc le point important chez Darwin, c'est l'importance de l'élimination des moins aptes. Et ça, c'est lui-même qui le dit. Et puis, le deuxième point important, c'est qu'il faut qu'il y ait transmission des caractères acquis. Et il faut que les traits avantageux sur lesquels la sélection s'est exercée soient transmis à la descendance. Donc ça, c'est évidemment un fondement du darwinisme. Alors, bon, vous savez que c'est faux. Enfin, la non-hérédité des caractères acquis a été démontrée fin 19e siècle. Mais il n'empêche que c'est un ingrédient absolument indispensable à la croyance transformiste. Alors, ce qui pourra amuser les Français, c'est qu'un personnage comme Renan, c'est dans l'avenir de la science, 1890. Alors, Renan est c'est un livre de souvenirs, si on veut. Donc, parle de ce qu'il était 20, 30, 40 avant, auparavant. Et alors il disait je ne voyais pas assez nettement à cette époque les arrachements que l'homme a laissés dans le règne animal. Donc cette idée que l'homme descend du singe.
je ne me faisais pas une idée suffisamment claire de l'inégalité des races. Mais j'avais un sentiment juste de ce que j'appelais les origines de la vie. Je voyais bien que tout se fait dans l'humanité, dans la nature, que la création n'a pas de place dans la série des effets et des causes. Donc là, on est dans le matérialisme quand même. Donc j'étais évolutionniste décidé, en étant trop peu naturaliste pour suivre les voies de la vie dans le labyrinthe que nous connaissons. Alors Renan est quand même un personnage important parce qu'il se proposait, toujours dans le même voie, d'organiser scientifiquement l'humanité. Donc ça n'est pas Cournot, c'est Renan, 1890. D'organiser scientifiquement l'humanité, tel est le dernier mot de la science moderne, tel est son audacieuse mais légitime prétention. Je vais plus loin encore, l'œuvre universelle de tout ce qui vit étant de faire Dieu parfait, c'est-à-dire de réaliser la grande résultante définitive qui clora le cercle des choses par l'unité, il est indubitable que la raison, qui n'a eu jusqu'ici aucune part à cette œuvre, laquelle s'est opérée aveuglément, que la raison prendra un jour en main l'intendance de cette grande œuvre et après avoir organisé, l'humanité organisera Dieu. Donc voilà un beau programme qui nous est tout à fait dans le thème de cette journée. Bon, maintenant, l'eugénisme comme matérialisme scientifique et vertueux. Enfin, on dit, il faut maintenant... Et Darwin nous a demandé de le faire, évidemment, de ne pas commettre vis-à-vis de l'humanité ce qui serait une erreur impardonnable pour un éleveur de chevaux ou de pigeons. Alors, évidemment, c'est Galton qui a inventé le mot eugénisme, hein, et il avait, en 1939, publié un livre qui s'appelle Le génie héréditaire. Donc, il y a. Et en là, c'est intéressant parce que nous venons de parler d'élimination et maintenant nous allons entrer dans la sélection positive. Parce que l'objectif, c'est le génie. L'élimination du moins-apte, ça va de soi. Mais alors, je ne parlerai pas la lignée des Darwin. Enfin, donc c'est quand même important de savoir que Léonard Darwin, le fils de Charles, a été président de la Eugenics Society, qu'il écrivait dans l'Eugenics Review, qu'il a en particulier, là on voit très bien les liens avec l'Allemagne, si vous voulez. Alors, Krupp, Friedrich Krupp, donc le propriétaire du grand concern, avait en 1903 organisé un concours pour répondre à la question qu'apprend-on des principes de la théorie de l'évolution en relation avec le développement de la politique intérieure et avec la législation des États. Autrement dit, qu'est-ce que la science évolutionniste peut apporter au fonctionnement de l'État ? Qu'apprend-on des principes de la théorie de l'évolution en relation avec le développement de la politique intérieure et avec la législation des États. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'État peut faire pour tenir compte de la science évolutionniste dont nous disposons maintenant. Alors, il y a eu un certain nombre de concurrents à ce concours, et c'est Schallmayr, Michael Schallmayr, qui avait gagné le prix sur un livre qui s'appelle, avec un livre qui s'appelle « Héritage et sélection ». Donc, Schallmayr proposait une hygiène raciale. Alors, un exemple très simple, il signalait que le recours à un obstétricien pour un accouchement difficile entraînera une fréquence croissante du problème dans les générations à venir. Donc, évidemment, c'est une grosse erreur politique pour l'État de permettre, évidemment, de faciliter l'accouchement difficile parce qu'on va laisser survivre le moins apte. Alors, comme on a l'orateur précédent a parlé des liens, si vous voulez, entre le mouvement eugénique allemand, anglo-saxon, je ne vais pas en parler. Ce qui est quand même intéressant, c'est de bien comprendre que l'eugénisme allemand est vraiment un eugénisme savant.
C'est-à-dire que ce sont les institutions universitaires qui cherchent à développer des mesures propres à effectivement aboutir à cette hygiène raciale qui est le bien de, de l'Allemagne. Et donc on a par exemple une... C'est une lettre intéressante. Alors c'est Verschurer qui était le directeur de l'Institut d'anthropologie, théorie de l'héritage humain et eugénique. Donc c'est l'Institut Kaiser-Wilhelm. Donc c'est un institut tout à fait officiel. Alors il écrit dans un rapport, mon collaborateur dans cette recherche, Verschurer, donc là, mon collaborateur et mon assistant, l'anthropologue et médecin Mengele, donc, dont le nom peut-être vous est plus familier. Il travaille comme chef principal et médecin du camp de concentration d'Auschwitz avec la permission du Reichsführer SS, donc Himmler, et menait une recherche anthropologique sur les divers groupes raciaux présents dans le camp, et des échantillons de sang seront envoyés à mon laboratoire pour analyse. Donc, vous voyez, évidemment, Mengele, c'est prélevé, mais c'est Verschurer qui analysait et qui, évidemment, faisait le travail proprement scientifique. Alors, à l'époque, il était maître assistant en pathologie héréditaire à Berlin, et en 1951, il devient titulaire de la chaire de génétique humaine à Münster, et il devient, alors, dans l'après-guerre, si vous voulez, il est cité 350 fois dans la littérature scientifique, ce qui est considérable. Donc, si vous voulez, son implication dans les programmes d'hygiène raciale allemand n'a pas du tout empêché qu'il fasse une carrière tout à fait respectable par la suite. Et en Verschurer, alors, il était à la fondation du comité éditorial de l'humanité, The Mankind Quarterly. Alors ça avait été fondé après la guerre pour relancer une revue eugéniste, mais avec évidemment des titres dans lesquels le mot eugéniste ou eugénique n'apparaissait pas. Mais il y avait quand même, en sous-titre de Mankind Quarterly, il y avait journal trimestriel international traitant de la race et de l'hérédité dans les domaines de l'ethnologie, de la génétique ethnique et humaine, de l'ethnopsychologie, de l'histoire raciale, de la démographie et de l'anthropogéographie. Et Sir Charles Galton Darwin, le petit-fils de Darwin, et donc le deuxième prénom était Galton, eh bien, il était membre du comité éditorial, et d'ailleurs, il a été président de la British Eugenic Society à partir de 1953. Il faut quand même parler de Bertrand Russell, parce que ça aurait pu être dit par un conférencier précédent. Bertrand Russell, c'est quand même un mathématicien, logicien, philosophe des sciences important, homme politique important. Il y a eu un tribunal Russell à l'époque de la guerre du Vietnam, et c'est un eugéniste affirmé. Et il a eu un prix Nobel. Alors, bizarrement, il n'a pas eu un prix Nobel de mathématiques, parce que ça n'existe pas, il n'a pas eu un prix Nobel il aurait pu avoir un prix Nobel de toute autre chose, mais il a eu un prix Nobel quand même de littérature, pour avoir écrit un ouvrage dont le titre est « Le mariage et la morale ». C'est un ouvrage qui est complètement eugéniste, alors qu'il est à la fois libertaire sur le plan de la... il est contre le mariage institutionnel monogame tel qu'il existe dans les sociétés qui l'environnent. Mais c'est le mot moral qui est intéressant dans ce titre. Ça veut dire que l'eugéniste convaincu qui était Russell, lui membre d'une famille très distinguée d'Angleterre. Son grand-père avait été sollicité deux fois par la reine Victoria pour constituer le gouvernement. Et son père était pour la contraception, le père de Russell. Russell qui est né en 1872. Alors la phrase que je veux vous lire est la suivante. Les idées eugénistes s'appuient sur l'hypothèse que les hommes sont inégaux, alors que la démocratie
s'appuie sur l'hypothèse qu'ils sont égaux. Il est donc politiquement très difficile de diffuser nos idées eugénistes dans une communauté démocratique quand ces idées prennent la forme non de suggérer qu'il existe une minorité d'inférieurs comme les imbéciles, mais d'admettre qu'il y a une minorité de gens supérieurs. La première suggestion plaît à la majorité, la seconde déplaît. Les mesures donnant corps au premier cas peuvent donc recevoir l'accord d'une majorité, tandis que dans le second cas, elles ne le pourraient pas. Ça s'est écrit en 1929 pour un livre qui lui a valu le prix Nobel. Alors, ça, c'est intéressant parce que, c'est écrit en 1929, l'eugéniste, ça veut dire l'eugéniste, est incompatible avec la démocratie. Et je rappellerai cette phrase de Rudolf Hess, qui est intéressante. Alors, Hess, qui était pourtant le numéro 2 du nazisme, il a dit « Le national-socialisme n'est rien d'autre que de la biologie appliquée. » De la biologie darwinienne. Alors, à propos de Dawkins, dont j'ai parlé tout à l'heure, professeur de zoologie à Oxford, dans le Sunday Herald, le 19 novembre 2006, il écrit la chose suivante. En disant qu'évidemment, plus personne ne veut soutenir une idée quelconque d'Hitler, mais qu'il est grand temps de rejeter cette attitude. Et il écrit « Si vous élevez du bétail pour avoir du lait, des chevaux pour gagner les courses et des chiens pour garder les troupeaux, pourquoi serait-il impossible, sur Terre, de produire des hommes pour leurs aptitudes mathématiques, musicales ou sportives ?» Donc, je me demande si 60 ans après la mort d'Hitler, c'est Dawkins, professeur de zoologie à Oxford, en 2006, si 60 ans après la mort d'Hitler, nous ne pourrions pas au moins oser nous demander quelle est la différence morale entre élever en vue des capacités musicales supérieures et forcer un enfant à prendre des leçons de musique. Ou pourquoi accepte-t-on d'entraîner des athlètes pour le sprint et le saut en hauteur, mais pas d'en produire par élevage dirigé? Donc voilà, moi, quelqu'un qui parle clair. Et effectivement, si l'homme n'est qu'un animal un peu plus évolué, pourquoi ne pas en faire l'élevage? Alors, je ne parlerai pas de Lysenko, Michourine, enfin, c'est bien connu que le marxisme, évidemment, a accepté les idées de Darwin, puisque même Marx aurait voulu que Darwin préfassât le Capital. Mais Darwin, prudemment, a refusé. Mais comme on a parlé de ce matin de la médecine russe, ou tout à l'heure, il faut savoir que Staline, alors ça c'est en 1926, donc Staline avait donné une allocation de 200 000 dollars à un éleveur de chevaux, Ilya Ivanov, pour, le but c'était de travailler à des hybrides hommes-singes pour les utiliser comme soldats, parce qu'évidemment ils auraient une vigueur appréciable en tant que soldat. Donc, si vous voulez, l'élevage dirigé développe une aptitude particulière, spéciale, éventuellement au détriment d'autres aptitudes, mais il y a cette idée donc, de travailler sur une aptitude spéciale. Évidemment, il est allé en Afrique, et il devait essayer de féconder des chimpanzés femelles par insémination artificielle de sperme humain. Ça n'a pas marché. Alors, il est revenu en Union soviétique, et là, il a essayé l'hybridation inverse, en utilisant des volontaires. Ça n'a pas marché non plus. Ça paraît drôle. Maintenant, ça n'a pas été drôle jusqu'au bout par Ivanov, parce qu'évidemment, c'était cet échec inévitable. Il a été puni pour ça, il a été déporté pendant 5 ans à Alma-Ata, où il mourut. Mais c'est intéressant parce que ça montre à quel point les communistes ont cru à la théorie de l'évolution. Ils ont cru d'ailleurs que l'homme, qu'il y avait une proximité entre l'homme et le singe. En réalité, il n'y a pas de proximité entre les espèces.
il y a des ressemblances anatomiques, mais si on regarde génétiquement, c'est plus du tout comme ça, mais ça, évidemment, ni Lamarck ni Darwin ne pouvaient le savoir. Alors, donc il est clair que, finalement, cet eugénisme fondé sur le darwinisme ne pouvait pas déboucher, puisque la biologie, la science sur laquelle il s'appuie, est fausse. Ça, évidemment, on ne le sait pas depuis très longtemps. Et malheureusement, beaucoup de gens ne le savent pas. Donc je terminerai en vous montrant à quel point la biologie actuelle condamne les prétentions eugénistes. Parce que justement, l'être vivant n'est pas la machine qu'avaient imaginé les précurseurs, n'est pas l'individu sans espèce, sans, autrement dit, sans forme déterminée qu'imaginait Darwin. Hein, il y a un primat de la forme, donc on constate la finalité. Donc le primat de la forme, ça c'est contre le matérialisme. On constate la finalité et on constate la complexité. Donc ça c'est contre le mécanisme. Et puis on constate aussi la réalité des espèces. Ça c'est contre la labilité des espèces que supposaient les Darwiniens. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut l'échappatoire transhumaniste. C'est parce que, d'une certaine façon, le transhumanisme, c'est l'aveu de l'échec de l'eugénisme. De l'eugénisme biologique. Donc il faut se déplacer. Renonçant à améliorer l'espèce humaine, il ne reste qu'à la transformer mécaniquement par des ajouts. L'homme augmenté. Alors, les points sur lesquels importants, il y a la découverte de l'information génétique. Le mot information est aujourd'hui un mot majeur en biologie, et que d'une certaine façon, l'être vivant, l'essentiel dans l'être vivant, la matière de la génétique, c'est l'information. Or, si vous voulez, il y a une analogie entre le fonctionnement d'une cellule et le fonctionnement d'un ordinateur. Ça, évidemment, Darwin ne pouvait pas l'imaginer, il ne pouvait pas imaginer un ordinateur. Il y a une analogie entre une séquence génétique et un texte imprimé. Alors, vous avez tous, je pense que vous connaissez cette image, mais. Alors, dans un texte imprimé comme dans une séquence d'ADN, les lettres sont communes à tout le monde. Toutes les espèces utilisent le code génétique, il est quasi universel. Mais ce qui compte, ce qui fait l'être vivant constitué, ça n'est pas le matériau, justement, c'est l'arrangement de l'être. Ce qui fait que Hamlet n'est pas la même chose que le bourgeois gentilhomme, c'est pas l'alphabet romain, c'est l'arrangement des lettres. Et il est évident que si on envoie en l'air les lettres du bourgeois gentilhomme, la probabilité pour que ça retombe avec Hamlet, elle n'existe pas. C'est un événement impossible. Donc la production au hasard par la nature, comme on l'avait imaginé, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est l'élément purement intellectuel, donc immatériel, qui commande les processus vitaux. Et on en a alors une preuve indirecte très amusante, c'est que quelle est la science la plus immatérielle par son objet? C'est la linguistique. Le langage est propre de l'homme. Maintenant, le langage, c'est absolument, ça ne se traduit absolument pas par des atomes et par du matériau. Et cependant, c'est le vocabulaire mise au point par les linguistes, qui aujourd'hui sert aux physiologistes pour essayer de comprendre ce qui se passe dans une cellule. Ça, c'est tout à fait remarquable. C'est-à-dire que on vous parle de code, de codage du génome. Tout est encodé. On vous dit qu'il y a la lecture des séquences par le ribosome. La lecture.
On parle de transposition, de délétion, de duplication des gènes. Donc, ces mots, ils ont été utilisés non pas parce qu'ils sont les meilleurs, mais parce que, enfin c'est justement parce que c'est les meilleurs qu'on a trouvés. Mais je pense qu'ils sont en deçà de leur objet, d'une certaine façon. Là, alors, ça, c'est justement le deuxième aspect que nous. C'est que là, il y a aujourd'hui reconnaissance par les biologistes de l'existence d'une finalité. Autrement dit, l'homme-machine, aucun organisme vivant ne se comporte mécaniquement. Il y a inscrit dans l'organisme vivant une finalité. Alors, ce qui est amusant, c'est que justement, il y a une biologie matérialiste parce qu'il y a des biologistes matérialistes, mais il se trouve devant une difficulté. Il y a un très bon exemple, c'est Jacques Monod. Monod, prix Nobel avec Jacob, mais qui est un athée, qui est tout à fait contre le surnaturel. Bon. Et il écrit en 1970 dans Le hasard et la nécessité, que l'origine du code génétique. C'est là, il y a le code génétique, mais d'où vient le code génétique ? C'est plus qu'un problème. Enfin, c'est un problème pour lui, mais il reconnaît que c'est une énigme. Le mot problème est en deçà de la question. Et alors là, il est pris au piège de sa méthode scientifique parce qu'il dit « La pierre angulaire de la méthode scientifique est le postulat de l'objectivité de la nature, c'est-à-dire le refus systématique de considérer comme pouvant conduire à une connaissance vraie toute interprétation des phénomènes donnée en termes de cause finale. » Donc ça, c'est le cartésianisme. Donc, toute interprétation des phénomènes donnée en termes de cause finale, c'est-à-dire le projet. Autrement dit, il ne faut pas dire qu'il y a un projet. Autrement dit, pourtant, il y a les réflexes. Tous les êtres vivants font des gestes réflexes. Il y a un projet derrière. Quand on touche quelque chose de chaud, on retire sa main, c'est finalisé. C'est à l'évidence, c'est un geste qui, évidemment, en tant que geste, est très simple. Maintenant, quand on entre dans la physiologie de tout ce que ça met en branle pour que, en ayant ressenti du chaud, on fasse ce geste, on se heurte à une complexité invraisemblable. Donc, alors, pour lui, la science, c'est le refus des causes finales. Mais, il admet que c'est un postulat pur, à jamais indémontrable. Il y a quand même de l'objectivité de dire que c'est indémontrable. Mais c'est consubstantiel à la science. L'objectivité, cependant, nous oblige à reconnaître le caractère téléonomique des êtres vivants, à admettre que dans leur structure et leur performance, ils réalisent et poursuivent un projet. Tandis, premier temps, la science, c'est le refus du projet, le refus de la finalité. Mais nous sommes obligés de reconnaître le caractère téléonomique, c'est-à-dire le caractère finalisé, et la poursuite d'un projet. Il y a là, au moins en apparence, une contradiction épistémologique profonde. Le problème central de la biologie, c'est cette contradiction elle-même. Et non, il n'y a absolument aucune contradiction. La contradiction, c'est sa biologie. C'est le postulat pur, à jamais indémontrable, qu'il fait pour dire que sa biologie est objective et scientifique, qui est fou, tout simplement. Donc c'est pour ça que je dis que la biologie mécaniste et matérialiste, elle vit ses dernières heures. Parce que agir intelligemment, c'est agir en vue d'une fin et réciproquement. Alors, ce qui est amusant, c'est que vous avez vu Monod parle de téléonomie. Jacob parle de logique du vivant. Logique, logos, alors vous savez tous qu'au commencement était le verbe. Alors Pistot, qui est un paléontologiste, parle d'antichaos pour expliquer. Et puis Drich, de cause non mécanique. Mais qu'est-ce que c'est qu'une cause non mécanique dans une biologie matérialiste? Non. Ça ne marche pas. C'est pas possible. Hein? Bon, donc, si vous voulez, c'est quand même pitoyable de voir un grand esprit très, très, très savant comme nous
qui utilise des artifices de langage pour essayer de persévérer dans son athéisme, qui est vraiment sa motivation, alors que les faits qu'il a devant lui, qu'il connaît bien mieux que évidemment, l'homme de la rue, devrait le contraindre à renoncer à ses postulats. Maintenant, un autre point important que nous révèle la biologie actuellement, c'est la complexité et la miniaturisation de la vie. Et ça, évidemment, Darwin ne pouvait pas l'imaginer. Quand on regarde la complexité d'une cellule, c'est absolument extraordinaire. Enfin, je ne peux pas développer, mais enfin, il y a plein d'exemples, mais je dirais la plus petite des cellules, c'est bien plus complexe que le Azovstal, la grande usine, la plus grande usine d'Europe, là, dont on a beaucoup parlé ces temps-ci, qui avait évidemment des machines marchant dans tous les sens, s'apportant du travail, des produits les uns aux autres. Mais une cellule, c'est encore bien plus compliqué qu'une vaste usine comme ça. Et en plus, elle est capable de se reproduire en 20 minutes. Ça, alors, donc, ça, cette complexité, cette miniaturisation, ça, c'est une révélation. Et là, je citerai Giuseppe Serrano, qui était longtemps président de la Société italienne de biologie. Il n'y a pas eu transformation du simple au complexe. C'est là la révélation de la biologie moderne. La complexité biochimique d'un microbe n'est pas inférieure à celle d'une plante ou d'un animal. Parce que la simplicité n'existe pas. Donc, c'est une donnée majeure, évidemment, mais dont le grand public n'a pas encore compris à quel point ça permet d'exclure toute la biologie mécaniste et transformiste. Et puis, dernier point important, c'est la réalité des espèces. Donc, comme nous l'avons vu pour Darwin, il n'y a que des individus, les espèces sont des fictions abstraites que nous projetons sur la nature. Il y a une méta-analyse qui a été publiée en 2018. Vous voyez, c'est assez récent, mais c'est un travail considérable parce que c'est une méta-analyse à partir de 162 publications qui porte sur 5 millions d'individus et plusieurs milliers d'espèces. Alors, c'est l'analyse d'une séquence d'ADN mitochondrial que, pour des raisons que je ne peux pas expliquer, on utilise très couramment, parce que c'est facile à analyser, et puis c'est ce qui permet de détecter les fraudes. C'est-à-dire quand on vous vend du pâté d'alouette, mais dans lequel c'est pas d'alouette, c'est du cheval, et bien vous faites le cytochrome C, vous savez tout de suite quelle est l'espèce qui est présente dans la substance. Alors, cet article a été publié par deux biologistes, donc Mark Stöckl et David Thaler. Donc l'un travaille à l'université Rockefeller, New York, et puis Thaler travaille à l'université. Et les résultats de cette méta-analyse sont vraiment très très importants. C'est qu'il y a, alors vous savez, les individus dans les espèces avec reproduction sexuelle, les individus sont toujours différents les uns des autres. Donc ces différences individuelles, elles varient, elles sont inférieures à 0,5%, même dans l'homme qui est le plus étudié, c'est inférieur à 0,1% dans le cytochrome C de différentes personnes, différents individus. Et il y a des différences entre espèces. Alors ça, c'est des différences extrêmement faciles à mesurer. C'est-à-dire on prend une séquence, donc on a toutes les lettres de la séquence, puis pour chaque, les séquences ont toutes la même longueur, et on regarde à chaque endroit si c'est pareil ou pas pareil. Et quand c'est pas pareil, ça compte pour 1, et au total, on a le pourcentage. Et entre espèces, ça varie de 4% à 6%. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun recouvrement entre les différences individuelles, qui sont toujours inférieures à 0,5%, et les différences entre espèces, qui sont toujours supérieures à 4%. Ça veut dire, contrairement à ce que pensait Darwin, et contrairement à ce que pensent les évolutionnistes, les espèces existent. Et ça ne devrait pas être une surprise pour nous, puisque nous savons que la locution la plus répétée
dans un texte de la Bible, c'est dans un texte très court, très concis, qui est le premier chapitre de la Genèse. Et il y a une formule qui est répétée 10 fois dans ce texte très court, et cette formule, c'est « selon son espèce ». Ça veut dire que l'espèce est une donnée fondamentale de la création divine. Et tous ceux qui ont voulu justement s'y opposer, eh bien, même si momentanément leurs idées ont pu fleurir et avoir une descendance importante, eh bien, ces idées étaient fausses. Donc le moment est de conclure maintenant. Eh bien, la contradictoire d'une proposition fausse est vraie. Donc, l'eugénisme, s'opposant à l'idée d'une perfection initiale, puisque l'eugénisme se propose d'améliorer le donné. Donc c'est directement opposé à cette idée d'une création in principio parfaite. Cela était bon, qui est un des fondements de la vision chrétienne du monde. Et il a... il faut voir que tout l'eugénisme l'idée de sélection, l'idée de pureté raciale, l'idée d'extraire du pool génétique d'un groupe un petit nombre d'individus plus performants sur un critère. Cette opération est une opération donc, qui fragilise la lignée que l'on a extraite, puisque la diversité, le pool génétique de la sélection est réduit. Donc on a un appauvrissement génétique. Ça c'est, évidemment, on le sait aujourd'hui, Darwin ne peut pas le savoir. C'est-à-dire que les races sélectionnées, si vous les remettez en contact avec les espèces sauvages dont elles proviennent, elles disparaissent. Et d'autre part, ces races sélectionnées, dans les animaux domestiques, pardon, elles ne peuvent vivre qu'avec l'homme. Alors, elles présentent un avantage, on a des vaches qui font plus de lait, on a des lévriers qui courent plus vite, si vous voulez. Mais sur tous les autres critères, ou la plupart des autres critères, en fait, ils sont inférieurs aux autres variétés. Donc là, dès le départ, si vous voulez, ce que voulait faire Russell, c'est-à-dire la sélection des meilleurs, c'est voué à l'échec, parce que la sélection produit un sous-groupe qui est génétiquement inférieur à la population dont il est issu. Et ça, c'est un point quand même qu'il faut signaler. Donc la tentative des rationalistes et des athées pour s'emparer de la science, pour remplacer la vision biblique du monde, cette tentative a échoué, même si cet échec tarde à être reconnu pour tel. Pourquoi cette persévérance dans l'erreur? Et là, j'emprunterai mon mot de conclusion au pasteur Johann Peter Süssmich. Alors, Süssmich, c'est le fondateur de la démographie. La démographie qui est une science dont on a longuement parlé, pratiquement à chacune des conférences précédentes. Et le fondateur de la démographie était à la cour de Frédéric II. Donc il avait à sa disposition, si vous voulez, toutes les tables paroissiales de la Prusse. Et il avait Euler, le mathématicien Euler, qui est un très bon mathématicien, à côté de lui pour les calculs. Donc il a pu faire un travail tout à fait considérable. Et ce qui est amusant, c'est que Süssmich écrivait en allemand et que son œuvre n'a été traduite en français que tout récemment. Elle est publiée à l'INED, dont on a parlé, et ce sont des Japonais qui ont fait la traduction en français du livre de Süssmich, qui s'appelle « De l'ordre divin ». Pourquoi l'ordre divin? Parce que justement, lui avait vu qu'il y avait des lois de la mortalité, des lois de la natalité. Mais pour les lois de la mortalité, c'était tout à fait prodigieux de se dire qu'un événement dont celui qui en est l'objet ignore tout, hein, puisque l'âge à la mort est en général inconnu. Donc, je sais qu'il y a quelques assemblées de saints qui ont su par révélation le jour de la mort, mais pour l'homme du commun, la mortalité est un événement imprévisible. Et néanmoins, cet événement imprévisible obéit à des lois.
Donc ça, c'était, c'était quelque chose d'admirable pour Sussmich. Alors, il écrit en 1761, hein, donc nous revenons à notre point de départ. Mais pourquoi donc veut-on à toute force faire ressembler l'homme aux animaux, en faire leur égal et lui ravir des privilèges et une supériorité qui sont tout à fait indiscutables? Pourquoi donc veut-on contredire si vivement la parole de Dieu et l'expérience, qui sont donc les deux points de repère, évidemment, que la science pourrait se donner? Réponse de Sussmich. N'est-ce pas une fausse humiliation de l'orgueil humain? En ignorant les avantages que la bonté divine lui a accordés, l'homme ne se soustrait-il pas au noble devoir de reconnaissance à l'égard du donateur? Et je pense que justement cette remarque elle s'applique à toute la lignée des eugénistes dont nous avons parlé. Eh bien, au lieu de reconnaître humblement la valeur du donné, qui est à la fois le donné de l'expérience et le donné de la création, on se propose de faire mieux que le Créateur. Était-ce raisonnable ?